Donc, comme je ne vous ai pas demandé de remettre à zéro Photoshop, vous récupérez les réglages que l'utilisateur précédent a mis dans Photoshop. Et donc, il peut arriver que le pinceau ne soit pas bien réglé. Donc, vous avez la palette des options. Quand vous avez un outil qui est activé dans la palette des outils, vous avez ces options là-dessus. Si elles n'apparaissent pas, c'est menu fenêtre options. Menu fenêtre options, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait apparaître. Dans les autres logiciels Adobe, ça s'appelle la barre contrôle. Ici, ça s'appelle la barre des options. Alors, il faut vérifier que votre pinceau est bien réglé, c'est-à-dire il est en mode normal, opaque, c'est-à-dire l'opacité est à 100%. Et voilà, je pense qu'avec ça, normal, opacité 100%, ça devrait déjà régler des problèmes si vous en avez. Alors vous vous dites peut-être qu'il y a des techniques automatiques dans Photoshop maintenant. Les techniques automatiques, ça peut fonctionner, mais pas toujours. Donc on en parlera, les techniques de sélection automatique. Mais c'est toujours bien de connaître ces techniques ici. Bien, n'hésitez pas à enregistrer le fichier. Et alors, on va finir la silhouette. Mais on va avoir besoin, peut-être, d'un calque de référence. Parce que regardez, ici, je dois dessiner le dos de la madame. Mais on ne voit pas trop, en fait, hein. On ne voit pas trop où il faut dessiner. Donc, je pense qu'on avait fait ça. On avait créé un calque de référence temporairement, juste pour voir où il faut dessiner.